Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Allô, passez-moi ta brochure, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre, j'en tiens. Comment est-il? Un champion du monde. Bonsoir, monsieur Pignon. Entrez, entrez. Excusez-moi, je ne me lève pas, je suis complètement bloqué, je me suis fait un tour de rein. Et c'est un vrai débile, il ne parle que de planche à voile. Et où peut-on le rencontrer, ce garçon? Pourquoi vous aimez la planche à voile? Mais énormément, je suis passionné de planche à voile. Alors vous allez bien vous entendre avec lui, il s'appelle Jean-Patrice Benjamin. Mais au ministère, on l'appelle Ducon. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire. À Benjamin, pas à Ducon. Allô? Allô, je voudrais parler au docteur Sorbier, j'appelle de la part de Pierre Brochand. Pierre Brochand? Oui, passez-moi vite le docteur, s'il vous plaît, c'est une urgence. Mais quel docteur? Il n'y a pas de docteur ici. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de numéro. J'ai dû sauter une ligne dans le répertoire. Faut dire que c'est écrit tellement petit. On s'en fout, raccrochez! Oui, je suis chez lui. Oui, oui, il est là. Ah non, il va pas bien du tout. Il a un tour de rein. Le sale truc, il peut plus bouger, il est affalé sur le plancher comme un vieux sac, c'est dégoûtant. À qui il parle? À qui vous parlez, bordel? Excusez-moi, qui est à l'appareil, là? Ah bon? Eh ben, je peux vous le dire, alors, ça va très mal. Sa femme l'a quitté, en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Mais arrêtez, enfin! Il faut que je vous quitte, ses nerfs sont en train de lâcher, en plus. Je n'y manquerai pas. Au revoir. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Je lui ai dit qui était à l'appareil, et elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. C'est pas votre sœur? C'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Allô? Ah, c'est toi, mon chéri. J'arrive, je dépose les chiens chez mon frère et je suis chez toi. Vous appelez Leblanc et vous lui dites que vous êtes producteur de films. Oui. Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Ah oui, c'est bien ça. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? C'est moi. Bonsoir, monsieur Leblanc. Georges Van Bruggel, à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive, mais je suis producteur belge, n'est-ce pas? J'arrive de Belgique une fois, et je suis très intéressé par votre roman. Votre roman? Le petit cheval de manège. Le petit cheval de manège. Et j'aimerais discuter l'achat des droits pour le cinéma. C'est une blague ou quoi? Pas du tout. Pourquoi une blague? Étienne. Pardon? Arrête tes conneries, Étienne, je t'ai reconnu. Vous faites erreur, monsieur Leblanc. Je ne suis pas Étienne du tout, je suis producteur et j'arrive de Bruxelles. Quelle production? Pardon? Votre maison de production, c'est quoi? Les films du plat pays. Les films du plat pays? Ce sera une production jeune mais dynamique, monsieur Leblanc. Et vous êtes intéressé par mon roman? Absolument, très intéressé, oui. C'est pour le cinéma ou la télé? Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Ça ne paraît pas poser de problème, ça, monsieur Leblanc. Mais vous devez seulement savoir que nous ne sommes pas une grosse production et que nous n'avons pas de nos moyens. Hein. Mais si vous n'êtes pas trop gourmand... On réglera les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur? Monsieur? Van Bruggel, alors écoutez... Alors, écoutez, je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc! Et voilà, on a les droits. Ouh là 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 là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Où qu'on débutant,
petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.